Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Courte nuit pour moi, 3 h du matin, réveillée, ça arrive. Bon, j'ai pu me rendormir un peu après, mais c'est vrai que ça te casse ton sommeil. Sinon, j'ai rien compris ce matin en me préparant. J'ai vu une tache qui est apparue là sur ma joue, comme une tache de rousseur. Je suis sujette aux taches de rousseur, mais l'été avec le soleil, bien que je m'expose pas, en tout cas le visage ne m'expose pas au soleil, et là c'est l'hiver, donc j'ai rien compris, c'est juste là. Je surveille ça de près quand même. Et j'ai commencé le livre, les 25 premières pages, très fort le gars. Franchement, j'ai adoré. C'est le genre de lecture où tu dis vivement ce soir que j'y retourne, que je m'y plonge de nouveau. C'est pour moi gage de bons livres. Voilà. Donc ça, c'est top, comme une bonne série en fait. T'as envie d'y retourner. Comme je vous avais dit aujourd'hui, ça va être pas mal l'emballage des cadeaux. Ça va me prendre déjà pas mal de temps. Et ensuite, je sais qu'il y avait autre chose, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas bien grave, on verra. Concernant le reboostage de morale, j'ai envie de dire que vous êtes au top. Hein. Je lis tous vos messages, sachez-le, j'essaie d'y répondre au maximum. En tout cas, je vous lis tous. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à m'en laisser, ce qui est très très bien. Vous pouvez pas savoir, c'est ce que j'avais besoin pour me remotiver, me booster. Vous êtes pas au top, tout simplement. Par contre, cette couette, faut que je la change, faut que j'en trouve une. Peut-être dans les tons rose poudré, peut-être nude, peut-être marron éclair, je sais pas. Mais non, j'ai vraiment envie de changer celle-ci. Mais tu es là, mon chéri. Tu as bien dormi? Tu as bien dormi, mon bébé. Je vais aller manger. Décidément, à chaque fois que je te filme, il y a papa qui rentre du travail. Quelle heure est-il? Il est déjà midi 20. Hello! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es pas content, j'ai fait une bêtise. Je vais me faire une petite ricotta parmesan. Ça a l'air bon. Ah, c'est pas pareil quand c'est papa. Hein? Là, tu obéis. Je suis pas. Malamou, c'est fait quoi? Oh, oui. Tu es puni. Tu dois rester derrière le bar. J'ai gardé ma tenue de combat parce que je viens de me faire tout le ménage du salon, cuisine. La vaisselle, le sol, un petit peu le plan de travail, les meubles, tout ça. Et ben ça fatigue, mais ça fait quand même du bien. À la tête aussi. Voilà. Je me sens mieux. Parce que c'est une vieille maison qui se salit. Il y a premier niveau, premier étage, deuxième étage. C'est très grand. Et bah, qui dit vieille maison, dit poussière, dit voilà. En plus, on a un chat et le chat, bah, il ramène de la litière, il ramène des trucs de dehors. Il sort pas, mais on a une petite courette extérieure. Il faudra que je vous montre un jour quand tout sera rangé, lavé. C'est beaucoup d'entretien. Par contre, on fait un petit point sur mes ongles. Je crois que le ménage a eu raison de mon gel. En même temps, c'était la première fois que je le faisais. Je l'avais fait dans le noir, je l'avais fait rapidos. Je vais le refaire et j'essaierai de faire mieux. Parce que là, il y a un qui a sauté, mais sur l'autre main, il y en a trois. Je vais arrêter là les premiers cadeaux. Parce que c'est vrai que j'ai reçu une carte cadeau Jiffy. Oh, il y a bien 15 jours. Et quand je reçois une carte cadeau, en général, il faut quand même publier la vidéo assez rapidement. Et j'ai peur qu'avec Noël... J'ai pas le temps. Donc, je pense que c'est pas mal. Je vais y aller. Je vais y aller maintenant. Elle me va pas du tout en fait cette veste. C'est plus non plus. C'est pas mes couleurs. Non. Mais l'autre, il me tient trop chaud là. Parce que c'est. On est encore entre deux températures. Non, je suis pas fan. Bon, on s'en fout, je vais le mettre quand même. Petite banane et puis. Puis je m'en vais. Tu peux nous expliquer ce que t'as commandé au Papa Noël? Moi, j'aimerais bien un petit distributeur de croquettes à volonté avec du surimi. C'est quoi l'indice? On en a déjà un. Je suis censée trouver un truc que je dois prendre en allant chez Jiffy. Il vient de me donner un indice. On en a déjà un. Un chat?
Un chat ? Un déboucheur de trou. Oh ! Non, un déboucheur de salle de bain. Super. Parce qu'en fait, notre évier, il se bouche tout le temps, l'évier du bain. Et la douche du haut. Donc c'est sûr que les va-et-vient, effectivement. Bon. Je cherche une housse de couette, mais il n'y a pas trop dans les couleurs que je voulais. C'est dommage. Alors au final, j'hésite avec ce modèle-ci, celui-ci et celui-ci. Il y en a un quatrième, mais de l'autre côté. Et ce modèle-ci. Alors pareil pour les poubelles, hein, parce que je vais être obligée d'en racheter hein, avec le Jackie. J'en prends une avec pédale. Mais il y a la grosse hésitation. Celle-ci. Voilà, j'hésite. Bon, on voit vraiment plus rien là. Jésus qui pleure. Je fais une réaction allergique à un make-up. Je crois que c'est une ombre à paupières. C'est pas la première fois. Alors mince, pour identifier laquelle. C'est-à-dire que bah, ça pleure. Ça pleure et ça pique. Merde. J'ai trouvé des choses. Et cette fois-ci, ce n'est pas de la déco. Ce sont des choses utiles. Ça se sent quand même que Noël se prépare. Hein. Il y a un monde inhabituel, on va dire. C'est dingue ça! 2 minutes enfin! Ce chat me laisse même pas le temps d'arriver. Je le nourris et après je monte. J'ai pris que 3 petites choses, mais 2! On va te faire un régime sans sucre, forcément. Tu grignotes plus à côté. Hein. C'est pas terrible en plus. Alors. J'ai pas trouvé son déboucheur, ils en faisaient pas. Le gagnant, the winner, is celle-ci. Voilà. Elle est à pédale. Elle est noire, chromée. Et surtout, il y en avait, vous savez où on passe là. Mais j'en avais déjà eu une, je crois, il y a un moment. Et quand ça marche plus, bah ça marche plus. Donc c'est relou. Rien ne vaut la traditionnelle poubelle à pédale. C'est une 30 litres. Et c'est garanti 5 ans. Elle est pas mal, hein, je trouve. La fameuse housse de couette qui va aller ici. J'ai complètement craqué pour ce modèle-ci qui a un petit côté baroque, romantique, avec le bureau, la petite chaise et tout. Je pense que ça va être très joli. Vous voyez ? J'ai hâte. Donc, on a également, c'est la parure complète hein, avec les 2 thés d'oreiller, la housse de couette 220 par 240. Je vous ai pas dit, la poubelle 34 euros. Et la housse, 34 euros également. Voilà. Un kit pour mettre mes suspensions, mon petit meuble notamment. J'en avais plus, c'est le fameux kit que je suis persuadée d'avoir acheté et que je ne retrouve plus. Ça coûte rien, hein. Je crois que c'est à peine 1 euro. Voilà, donc c'est très sympa, il y en a pas mal dedans. 21 pièces. Et je vais descendre tout ça. La poubelle, voir comment ça matche bien. Au pire du pire, si jamais c'est pas joli, ça rend pas bien ou quoi, ou même si Eric n'aime pas, j'ai gardé le ticket et puis j'échangerai. Je crois que c'est la poubelle qui était le plus chère en plus. Et quant à la parure, je suis quasiment sûre de mon coup. Voilà, alors on en pense quoi de cette poubelle? Je trouve que ça match pas mal, surtout avec le frigo. Oui, c'est à cause de toi que j'ai racheté une nouvelle poubelle. Il a peur. Oui, bon, pour ceux qui me suivaient pas, j'étais obligée de changer. Parce que l'autre poubelle, il a renversé, il sautait dessus et tout. Donc là, vu que c'est à pédale pour l'ouvrir, eh ben, me fais pas peur, bébé. Il est 18h, je vais me faire préparer mes petites mandarines que je vais mettre au congèle. Ça vous étonne, vous êtes plusieurs à me demander « What ?» Et ben, moi, j'adore en fait. Bon, c'est sûr que c'est le fait d'avoir arrêté le sucre des gâteaux, chocolat, glace, tout ça. Qui fait que le fait de les congeler, j'ai l'impression de prendre des petits sorbets. Voilà, je trouve ça cool, ça me fait du bien, c'est bon.
Et ce soir, comme je vais me faire ma petite série Outlander, eh ben, je vais être bien contente de me faire mes petits quartiers de mandarines. On les dit, parce que ça, c'est très rapide. Hein. Dans 2 heures, c'est congelé. Et on n'en parle plus. Et oui, justement, c'est ça, c'est ça. Je voulais vous poser une question. Dites-moi en commentaire. Mais répondez-moi sincèrement, on s'en fout. Hein, même si c'est non, c'est pas grave. C'est peut-être pour certaines personnes oula, que ça peut intéresser. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse une vidéo où je vous explique les conséquences, les résultats sur le fait d'avoir arrêté le sucre. Pas tout le sucre, on en parlera. Ça fait maintenant 20 jours et il y a de réels changements. Pas que physiques. Donc dites-moi en commentaire si oui, non, peut-être. Allez, quand je vous disais que ça se ressemble tous les jours, je vais faire le montage pour m'avancer. Chérie, maman, elle n'a pas vu l'heure, il est encore 20h. J'ai éteint l'ordi, on continuera demain le travail. C'est parti pour un nouvel épisode d'Outlander. Et si j'ai le courage, je me fais mes ongles en gel. Ce soir, je les refais. Ou alors demain matin. Mais voilà, je vais prendre le temps, je vais faire ça bien. Et c'est prêt, mes petites clémentines. Je vais me régaler. Oh là, les amis, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog hier. Nous sommes le lendemain matin. Aujourd'hui, j'ai mon frère et sa petite famille qui arrivent de Saint-Martin. Ils ont dû atterrir d'ailleurs. Pour passer les fêtes. Et j'ai un Jackie qui a faim, forcément. Donc, je vais clôturer le vlog ici. Je vais vous dire à demain. Moi, je vais enchaîner avec le nouveau vlog. Tu dis au revoir, Jackie. Voilà.